Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce e-workshop APAV-AFIM-INRS sur la démarche maintenance, subir ou prévenir les accidents. Je vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. On va vous commenter le sujet. On est bien sûr la sécurisation des interventions de maintenance. On va parler de la nouvelle norme NFX 60400 et de la démarche Sécurafim et de la mise en œuvre de cet ensemble à travers des retours d'expérience pour bien décrire la problématique et bien essayer de vous faire comprendre les tenants et les aboutissants sur ce sujet. Je me présente en deux mots et je vais laisser Jean-Christophe se présenter après. Moi, je suis Jean-Pierre Avellaneda, je suis à la direction métier d'APAVESA et je suis chargé, entre autres, de porter ces prestations formation-conseil sur la maîtrise de la sécurité en maintenance et des accompagnements en maintenance au sens large. Par ailleurs, je suis administrateur de l'AFIM, qui est l'Association française des ingénieurs de maintenance, qui a co-construit la démarche Sécurafim avec l'INRS et qui est très complémentaire des actions organisationnelles et humaines que l'APAV menait classiquement. Je vais laisser Jean-Christophe se présenter. Oui, merci Jean-Pierre. Bonjour à tout le monde. Oui, Jean-Christophe Blaise de l'INRS. Moi, je suis responsable d'un laboratoire qui est en charge de tout ce qui est sécurité des machines, on va dire, automatisme en particulier, circuit de commande, et puis également des problématiques maintenance, consignation, etc. Et donc, c'est avec grand plaisir que je remercie l'APAV, l'AFIM, avec qui on travaille depuis longtemps, pour échanger et pour présenter sur ce sujet aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un petit sondage. On n'en a que trois, rassurez-vous, hein, avec des questions très simples. Vous avez à droite de votre écran une zone sondage où vous avez une question qui vous demande dans quel contexte vous participez à ce e-workshop. Est-ce que c'est pour prendre de l'information, c'est de la veille sur le sujet? Est-ce que c'est parce que vous préparez une démarche pour améliorer ce sujet et cette maîtrise des risques dans votre organisme, ou vous avez déjà un dispositif existant et vous pensez qu'il y a moyen de l'améliorer, vous voulez prendre des infos par rapport à ça. Pour répondre à ce sondage, vous avez la possibilité d'aller dans la zone sondage, parce que je vois certains répondre par le chat, qui doit apparaître avec la petite flèche en haut à droite, panneau latéral. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si je suis censé voir le sondage avancer en termes de réponse. Parce que je ne vois rien. Si, c'est bon. On a des réponses qui arrivent. Voilà, je vous laisse répondre. Et puis on va, pendant que les derniers trouvent la zone sondage avec le petit bouton en haut à droite, on va avancer sur le sujet. On va commencer par quelques constats que vont nous présenter l'INRS. Donc je te laisse la main pour naviguer sur les slides. Ouais, merci Jean-Pierre. Effectivement, quelques constats. Là, on va partir sur quelques constats, finalement plutôt issus de la presse, hein. C'est vrai que du retour d'expérience, malheureusement, en termes d'accidents, on en a quelques-uns. Les acteurs de la maintenance surexposés, effectivement, c'est quelque chose qu'on a réussi à malheureusement démontrer depuis quelques années. Alors, pour des raisons diverses, et voilà, on va effectivement tenter de exposer un petit peu pourquoi aujourd'hui et comment y remédier. Donc, quelques exemples, voilà, un technicien de maintenance, bras sectionné, problématique de remise en route lors d'une activité de maintenance. Voilà, point d'interrogation sur la fatalité. À chaque fois, la réponse, elle est non, parce qu'il y a tout un ensemble d'éléments qui permettent d'expliquer malheureusement cela et qui ensuite devraient pouvoir être résolus. Un autre exemple, bah, bien sûr aussi, dans des opérations habituelles, sur des problématiques qui ne sont pas que des problématiques électriques ou mécaniques, mais on a aussi des problématiques liées aux poussières, liées aux produits chimiques. Hein, ici, voilà, quelqu'un qui a été brûlé. Problématique, si on voit deux autres salariés qui viennent aider, ça c'est le suraccident est malheureusement aussi assez fréquent en maintenance.
Un autre exemple problématique d'inspection, hein, bien sûr, vous le savez, la maintenance, c'est plein d'activités diverses qui vont du correctif, du préventif, de la simple entre guillemets inspection. Donc c'est heureusement, visiblement, c'est un presque accident qui effectivement aurait pu être mortel. Sur l'inspection d'un cylindre, malheureusement, la consignation électrique avait été faite, mais pas la consignation mécanique. Donc, il a failli avoir un accident, à mon avis, effectivement mortel. C'est finalement une mesure organisationnelle qui a permis d'éviter le pire. Alors, on pourrait se poser aussi la question, on verra un petit peu tout à l'heure, hein, est-ce qu'il y avait besoin d'énergie, est-ce qu'il y a besoin de maintenir l'énergie mécanique, on va dire, pour réaliser cette intervention. Tout un ensemble d'acteurs également, il y a aussi des élagueurs, par exemple, hein, travaux d'élagage en bordure de ligne électrique, ça, les problématiques lignes électriques aériennes, même si elles sont encadrées par la réglementation, et certains décrets qui précisent les choses à faire, il y a encore effectivement beaucoup d'accidents. Ici a été rappelé un petit peu les quelques chiffres en termes d'occurrence, donc occurrence d'accident, occurrence de maladie qui sont supérieures à l'occurrence moyenne, et puis malheureusement l'occurrence de mortalité 3,6 fois supérieure. C'est sûr que les acteurs de la maintenance sont au cœur des systèmes, sont au plus près des énergies et des énergies qui potentiellement ils sont dangereuses. Alors deux autres exemples, effectivement, au-delà de l'accident direct sur le personnel de maintenance, sur les biens, sur l'activité au sens large, sur l'environnement et la population, bien sûr, hein, quand il y a une explosion, ça peut rayonner à plusieurs dizaines, centaines de mètres. Alors quand il y a un feu, malheureusement bien connu, celui de Notre-Dame. Et puis, on commence à connaître aussi quelques répercussions sur cet incendie qui serait, moi je garde des pincettes, hein, sur une problématique de fin de chantier maintenance électrique. Alors, les conséquences, on vient de le voir, humaines, bien sûr, pour la victime d'une part, c'est sûr, pour son entourage, et puis on parle de plus en plus vie privée, vie pro, pour l'entourage, vie pro également, et vie privée bien sûr, hein, les collaborateurs également. Ce sont des conséquences financières, pour l'entreprise en termes d'exploitation, financières aussi relativement aux biens qui pourraient également être touchés par ces accidents, et puis en termes de réparation. Alors, conséquences juridiques, je sais pas, je suis pas sûr que les entreprises oublient ces conséquences juridiques, elles en ont conscience. Alors, au civil, c'est quasi sûr, mais bien souvent également au pénal, suite à des accidents, des responsables d'entreprise se sont retrouvés au pénal, et puis globalement aussi, bien sûr, c'est cette notion d'image de marque de l'entreprise au sens large, qui peut être longue à rattraper. Donc c'est, avant de te redonner la parole, Jean-Pierre, effectivement, ce sur quoi on veut focaliser plus particulièrement, et les travaux qu'on mène et qu'on continue de mener conjointement à FIMAPAVI NRS, c'est sur cette problématique de prévention des risques liés aux énergies, alors énergie au sens très large, mais effectivement, qui dit accident dit présence d'énergie. Pourquoi il y a eu cette présence d'énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour résoudre ces problématiques? Alors c'est une moyenne, mais au moins effectivement 50% des accidents de maintenance dus à de la présence d'énergie qui n'aurait pas dû être là, qui devait quand même être là, et comment on pouvait se mettre en sécurité par rapport à cette énergie. Merci. Donc, effectivement, on se retrouve avec une problématique qui a des enjeux importants et qui est complexe, parce qu'on s'aperçoit que les problèmes peuvent survenir pendant une intervention, peuvent survenir pendant des phases d'essai, après des chantiers, que l'origine des problèmes, il peut être lié aux équipements eux-mêmes, mais également à ce qu'on a amené pour faire l'intervention. En fait, le sujet n'est pas simple, et la plupart des organismes se trouvent un petit peu démunis sur comment prendre le problème.
Est-ce que c'est un problème humain? Est-ce que c'est un problème organisationnel? Alors, on a vu que 50% des cas étaient liés avec comme cause principale le défaut de maîtrise des énergies et des fluides d'un point de vue organisationnel. Un problème technique, là aussi, les installations ne sont pas forcément faciles à expurger de toute énergie ou substance dangereuse. Ou une problématique réglementaire, est-ce que, en fait, si on est conforme, ça suffit à se mettre en sécurité? Donc, en quelques mots, on va essayer de démêler ça. En tout cas, nous, avec le fort du retour d'expérience qu'on a, nous trois, hein, donc INRS, AFIM et APAV, on a pu bien cerner le sujet et toutes les facettes qu'il faut prendre en compte. Avant de passer la main à Jean-Christophe sur d'autres facettes, je voudrais parler plus particulièrement du sujet de culture et comportement sécurité qu'on a beaucoup travaillé côté APAV, encore un peu plus que les autres. Et on s'aperçoit qu'on a des problèmes de comportement, alors, je vais mettre des guillemets, hein, avec des habitudes et des croyances. Et je m'aperçois, voilà, j'ai des petits problèmes techniques, des habitudes et des croyances pardon, qui induisent des comportements surprenants. Donc la photo que vous voyez, c'est une photo réelle. C'est quelqu'un de la PAV qui a vu la situation, qui a pris la photo et qui a juste demandé à ce que la personne sorte de là de suite. Sur le coup, ça lui paraissait une bonne idée. On a, en parallèle de ces problèmes de comportement qui sont un petit peu globaux, d'autres soucis qui peuvent être liés à la culture même du métier de la maintenance. Les mainteneurs, ils sont dans un métier de service. Ils sont là pour s'assurer que les équipements, les installations, elles fonctionnent pour qu'on puisse assurer l'activité. Ce métier de service, il induit des fois des biais dans le comportement, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'urgence et le service client au top et on va se retrouver à sous-estimer, encore plus que d'habitude, la problématique des risques. Donc, le rendre service, on a énormément d'exemples d'accidents où la personne, pour rendre service, elle s'est mise en danger et malheureusement, il y a eu un accident. Le deuxième point sur lequel il faut être vigilant dans un métier de service comme celui de la maintenance, c'est l'équilibre de pression entre l'enjeu de sécurité qui est réel, avec des réels dangers qui sont mortels ou graves, et la pression du quotidien où il faut que la ligne de production elle redémarre parce que sinon on va être en retard pour le client, parce que sinon on va perdre du produit, parce qu'on va perdre de la marge, etc. Et donc, cette pression du quotidien, la maintenance, même si elle n'est pas directement en production, elle la sent, elle la ressent, elle est au service de la production ou de l'exploitation, et elle va tendance, et là c'est les neurosciences qui nous apprennent ça, à avoir une sous-estimation du risque, avoir une surestimation de ses capacités à le gérer, et qui ça va provoquer des accidents. Donc les causes des facteurs organisationnels humains, et notamment humains qui influent les comportements, on a les habitudes. Donc, on a une zone de dangerosité très élevée pour les accidents en maintenance qui est liée à la courbe d'apprentissage où les jeunes intervenants en maintenance, par méconnaissance, peuvent avoir des accidents. Donc, ça, c'est de la compétence ou autre qu'on voit plus tard. Mais les anciens, eux, se retrouvent à une tolérance au risque qui est excessive, à s'habituer au risque et à banaliser le risque et donc du coup à sous-estimer les mesures de protection. Donc, étant donné qu'ils sont compétents, ça ne tombe pas souvent, mais quand ça tombe, ça fait très mal. On a des problèmes de vigilance. Petit warning sur les mainteneurs qui sont... c'est un métier en tension, donc il y a souvent du sous-effectif, il y a des heures supplémentaires, il y a de la fatigue, ça alourdit et ça aggrave ces problèmes de vigilance, de fatigue, de temps avec la pression notamment de redémarrage dont on parlait tout à l'heure. De management des risques, on s'aperçoit que le management des risques des équipes de maintenance n'est pas toujours au niveau auquel on pourrait l'espérer, et notamment sur ce sujet-là, bah, ne serait-ce que parce que les mainteneurs sont très autonomes, pas très nombreux, et que globalement, les temps de management collectif sont plutôt rares, et individuels également. Et puis, des problèmes de culture de la sécurité, avec des tolérances, des priorités officieuses, hein, où des fois, il y a un affichage de sécurité en un, mais quand on descend dans les strates de l'organisation, ce n'est pas le cas pour de vrai dans les décisions réelles et dans les actions. Et puis le comportement réel face aux prescrits, où on donne des règles, mais elles ne sont pas réellement appliquées et personne ne dit rien. Et donc, le personne étant les autres, on retombe dans des problèmes de culture et pas que de comportement.
Donc ça, c'est sur le volet humain. Je vais peut-être repasser la main en coupant la vidéo. J'ai compris qu'il y a des petits soucis de débit à Jean-Christophe et qui va nous aborder des problématiques techniques, organisationnelles et réglementaires. Et merci Jean-Pierre. Oui, 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 j'ai vu que des fois il y avait des petites baisses, mais voilà, tant que ça coupe pas, tout va bien. Donc effectivement, ces problèmes humains, en tout cas de comportement au sens large, tu viens de les évoquer. On leur dira tout à l'heure. Je préfère leur dire tout de suite aussi, parce que ça c'est vrai surtout malheureusement sur tous les accidents du travail. Tu as donné quelques particularités effectivement de cette activité de maintenance et se rendre service. Je crois que nous on joue toujours sur cette notion de triptyque. Alors l'aspect réglementaire pouvant s'ajouter, mais bon, surtout sur ces aspects humains, organisationnels, techniques, forcément, il y a toujours ces trois axes qui rentrent en ligne de compte et il n'y a jamais qu'un seul qui est la cause, malheureusement d'un accident. Et il faut bien jouer sur ces trois aspects-là. Donc, moi, je reviens un petit peu effectivement sur la problématique technique en revenant sur les énergies. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure un petit peu à travers les accidents, énergie au sens très large. On a parlé de produits chimiques, l'énergie du produit chimique, des rayonnements. Alors, bien sûr, de ce qu'on connaît, on va dire plus classiquement en tant qu'ingénieur, de la mécanique, du pneumatique, de l'hydraulique et bien sûr de l'électricité. Voilà, toute cette liste d'énergie qui sont alors soit fournies à l'équipement. Ces énergies-là, on a tendance à pas trop mal y penser. Ce qu'on oublie un peu plus, ce sont les énergies résiduelles et en tout cas énergie à l'intérieur de l'équipement de l'installation, et puis aussi les énergies dans l'environnement de travail, parce que c'est pas parce qu'on intervient sur une machine que potentiellement les énergies d'une machine à côté ou autre d'ailleurs doivent bien sûr être prises en considération dans nos analyses. Alors voilà, c'est aspect technique, en tout cas aspect énergie. L'aspect technique en termes de conception des installations, donc même chose hein, au sens large, hein, installation, machine, nous, c'est vrai qu'on le dit depuis pas mal d'années, voilà, comment intégrer au mieux des aspects maintenance en conception des installations et des machines. Penser à l'accessibilité, malheureusement, on s'aperçoit fréquemment qu'on n'y pense pas forcément pour des aspects maintenance. Alors intrinsèquement à l'équipement, hein, pouvoir aller à un endroit sur la machine, déjà c'est une chose, pouvoir ressortir potentiellement un moteur d'une machine, c'est une chose. Et puis après, il y a l'accessibilité dans l'environnement également, parce que c'est comme si on mettait la porte de son frigo en face du mur et du coup, on ne peut plus ouvrir son frigo. Voilà, des problématiques d'identification des différents organes, on y viendra bien sûr tout à l'heure, c'est aussi un peu le cœur de la démarche Securafim. La conception, parce que aussi, malheureusement, absence de certains dispositifs qui auraient dû être intégrés dès la conception de la machine. Et puis, termes de fiabilité, ça c'est vrai au sens large, avoir des produits et des composants qui sont fiables. Alors voilà pour les aspects conception. Ensuite, technique qui reste technique effectivement en termes d'activité de maintenance et lié à la maintenance, des absences de vérification. Donc là, on rejoint aussi, vous voyez quand même un petit peu l'organisationnel, de la documentation qui n'est pas mise à jour, ça c'est un grand classique malheureusement également. D'ailleurs, on a d'autres produits également sur lesquels on a travaillé avec la FIM et puis aussi la PAV, en tout cas en normalisation, sur tout ce qui est processus de maintenance. Faire des comptes rendus et mettre à jour les documents, c'est quelque chose quand même de très 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 important. La vétusté, donc là on est plutôt potentiellement sur du défaut de maintenance, de la maintenance qui n'est pas faite, et puis ce transfert potentiellement de consignes, défaut de formation, d'information, mais aussi de formation, et là on rejoint un petit peu les aspects humains que tu as évoqué tout à l'heure, Jean-Pierre. Alors, ce problème technique au sens large par rapport à ces énergies, il est décelable, pas décelable. Nous, on le voit, alors nous, c'est voilà, AFIM, APAV, INRS, une énorme confusion entre ça ne bouge pas, donc c'est à l'arrêt.
Les énergies sont consignées. Donc, il y a toute une palette là quand même qui est très différente. Et c'est pas parce que quelque chose est immobile qu'il n'est pas prêt à surgir. Quand on pénètre à un endroit, peut-être des choses qui s'arrêtent, qui se consignent automatiquement, ça c'est plus compliqué, mais des alimentations qui doivent être maintenues pour différentes raisons. Là, c'est ce qui est expliqué sur le petit retour d'expérience terrain. Où, effectivement, même... Vas-y. Tout à fait, oui. Ce contexte-là, c'est une embouteillage avec une étiquetteuse qui pose des étiquettes sur des bouteilles. Et pour intervenir dessus, notamment sur l'entretien, on arrête l'équipement. Sur la problématique, c'est que si dedans il y a un bac à colle, tout le bac à colle se fige. En fait, il faut changer les composants et donc du coup, c'est cher et c'est un peu dommage. Donc, le bac à colle en fait, est maintenu, on chauffe, même quand la machine est complètement arrêtée. On n'entend pas très bien. Ouais, ça coupe un peu ton micro. Ouais. Ce qui est en quelque sorte, c'est que quand on a constaté ce problème-là, on l'a constaté parce qu'en fait, on a eu un presque accident avec une équipe d'entreprises extérieures qui venait faire l'entretien. Et étant donné que ce n'étaient pas les personnes habituelles et qu'il y a eu tout un tas de causes, évidemment, n'étaient pas au courant qu'en fait, il y avait toujours de la chaleur, mais aussi de l'électricité à cet endroit-là. Donc, quand on combine des problématiques techniques et que, c'est le modèle de Reason, on n'a pas des barrières organisationnelles et humaines qui verrouillent le sujet, les trous s'alignent et on va se retrouver avec un accident. Donc là, on l'a évité de justesse, par chance, parce qu'ils se sont isolés avant de s'électriser, mais ils auraient pu s'électriser. Okay. Ouais, merci Jean-Pierre de la précision sur cet accident-là. Donc, au sens un peu plus organisationnel, je vous ai dit, tout est un peu lié, mais les interventions et la maintenance, effectivement, a quand même trouve ses bases beaucoup, malheureusement, les accidents sur des problématiques organisationnelles. Lors d'intervention de maintenance, c'est ce qui est écrit, effectivement, on est potentiellement dans un environnement qui bouge, qui a bougé. J'en discutais encore ce matin avec un collègue, il dit voilà, on arrive, on croit avoir une situation, et puis finalement, la situation sur laquelle on est, elle n'est pas exactement la même. Et puis souvent, ça c'est un autre problème, c'est qu'on ne s'en aperçoit pas que ce n'est pas la même. Mais bon, 80% de ce qui est écrit ici, voilà, l'opération de sécurité dépend de l'opérateur qui intervient. C'est vrai, alors dépend de la technique, on l'a dit, et dépend de l'organisation qui est mise en place. Donc cet opérateur-là, finalement, il est guidé par l'organisation qu'on lui a mis en œuvre et mis en service de façon à ce qu'il puisse intervenir. Il y a des questions à se poser. Qui est le propriétaire garant de la sécurité lorsqu'on est potentiellement sur de la sous-traitance? Qui consigne des installations, les équipements? Quelles sont les règles ou les procédures de consignation quand elles existent, il faut espérer qu'elles existent. Ensuite, plus précisément sur le matériel, quels moyens on doit utiliser pour se mettre en sécurité. Et puis on l'a évoqué aussi juste tout à l'heure sur les aspects documents, ça c'est quand même important, réussir à se baser sur de la documentation pour pouvoir effectuer, dans un premier temps d'ailleurs, sa mise en sécurité et ensuite son intervention. Et puis, des notions de coactivité, bien sûr, ça là maintenant, c'est... Alors, on peut à la fois avoir des problématiques de travail isolé, mais aussi de coactivité entre différents intervenants de maintenance, potentiellement même de sociétés différentes, et puis de coactivité aussi, maintenance-production. Ça, c'est, il y a plusieurs types de coactivité en maintenance. Alors, l'angle, on va dire, problématique ou l'angle réglementaire, on va dire normatif, il est posé ici. C'est vrai que depuis beaucoup d'années, on va dire, l'électricité a fait l'objet de beaucoup de travaux.
Elle a fait l'objet effectivement de réglementation et même à l'époque d'une norme qui était dite d'application obligatoire, qui était la NFC 18510. Et puis, à part cette électricité, cette énergie électrique, sur les autres énergies ou sur les fluides, donc énergie au sens large, pas de spécification plus précise d'autre que ce que tu rappelles en termes de code du travail qui impose une obligation générale de résultat en matière de sécurité et une obligation d'effectuer des analyses de risque. Bon, donc ça c'est tout ce qu'il y a de plus haut niveau. Ensuite, comment on s'y prend, comment on regarde cette problématique vis-à-vis des interventions de maintenance et de ce qu'on appelle un petit peu finalement la consignation. C'est pour ça que depuis pas mal d'années existe tout de même la brochure INRS 6109 sur consignation, déconsignation. Alors, ceux qui la connaissent depuis longtemps pourront juste remarquer que l'INRS a changé ses couvertures. On est sur des couvertures plus classiques dans ce qu'on appelle des éditions pour retrouver nos documents. C'était un petit aparté. Brochure INRS qui existe depuis pas mal de temps. On l'a dit, les autres normes n'ont pas de portée générale. La directive machine donne des choses quand même en termes d'intégration technique de quelques éléments de maintenance, mais bon, pas tant que ça. Il y a des références qui existaient quand même depuis pas mal d'années, ce qu'on appelle le loto. Sachant que de grands groupes, alors la plupart du temps, grands groupes industriels, plutôt effectivement américains, parce que le loto vient de là, ont mis des choses en œuvre en se basant sur ce référentiel. Donc quand même quelques bribes qui existaient, quelques documentations qui existaient, cette fameuse norme sur l'électricité. Et puis sinon, plutôt des objectifs plutôt que des spécifications techniques. Alors cependant, électricité, autres énergies, j'ai rien contre les électriciens, au contraire, j'ai d'imminents collègues qui travaillent sur le risque électrique, mais malheureusement, entre guillemets, il y a une prédominance de ce risque électrique et l'oubli un peu de tous les autres risques et toutes les autres énergies. En matière d'intervention intervention de maintenance. Là, un exemple de remplacement moteur-frein ou de remplacement tout simplement d'une chaîne sur un moteur. On l'a vu tout à l'heure sur un autre exemple. On pense à la consignation électrique, mais quid de ce qu'on va dire la consignation mécanique. Si par exemple on a un système avec une charge entraînante, il faut penser quand même à pouvoir consigner cette énergie mécanique. Et puis effectivement, on a aussi dans l'environnement de travail, mais ça on a déjà dit, il y a différents sautes énergies, que ce soit du pneumatique, de l'hydraulique, bien sûr. Alors, fort de tous ces constats, on va dire, et c'était un peu l'introduction au départ, l'INRS et la FIM dans un premier temps rejoint par la PAV ont travaillé sur la méthode SecuraFIM et donc à développer cette méthode-là, cette démarche qui consiste, alors c'est ce qui est écrit un petit peu ici, à ne plus cacher les énergies qui n'ont pas, on n'a pas besoin de les cacher, elles se cachent déjà un peu toutes seules, mais plutôt à les rendre visibles, et identifier et rendre visibles les organes qui contribuent à la mise en sécurité vis-à-vis de ces énergies-là. Et puis, ça se fait pas comme ça, juste en un claquement de doigts. Il faut les lister, il faut savoir, et on l'a vu tout à l'heure, quelles sont les énergies rentrantes sur un équipement, celles qui sont à l'intérieur de l'équipement, voire même résiduelles. Celles-là sont pas forcément faciles à identifier, et puis celle de l'environnement, je le rappelle. Donc ça, c'était vraiment la base de la démarche SecuraFIM, et qui était ensuite de travailler sur la sécurisation des interventions en se basant sur cette identification des différentes énergies et notamment des organes qui contribuent à leur mise en sécurité. Et cette démarche SecuraFIM a amené
a amené à travailler sur la norme NFX 6400, donc sur la sécurisation des interventions, en se basant principalement, on va dire, hein, sur la maîtrise des énergies lors des différentes interventions. Et on a vu que les interventions en maintenance sont très diverses et très variées. Alors, l'objectif, on va dire, un peu marketing de Securafim, c'était de dire, voilà, on veut faire du management visuel des énergies qui a à maîtriser. On parlait tout à l'heure, Jean-Pierre parlait un peu tout à l'heure de comportement, et c'est vrai que finalement, rappeler des choses, que les gens puissent avoir une vision très rapide de tout un ensemble de choses, permet aussi quand même de gagner et de se rappeler et de gagner aussi en efficacité par rapport à son intervention. L'objet de tout ça, c'est effectivement de créer une dynamique de prévention fondée sur l'analyse de risque. Je me rappelle avoir eu des remarques sur si on sait où est l'énergie, on n'a plus besoin de réfléchir. Si on sait qu'il faut manipuler ce robinet, bon, on cherche plus à savoir si c'est le bon. On sait que c'est le bon et on cherche plus à savoir pourquoi. Non, c'est pas ça. Hein. L'idée, elle est vraiment de se baser, et on le voit sur cet outil fiche repère, c'est de se baser quand même sur tout ce qu'on offre en termes d'informations, pardon, à l'intervenant, pour que justement il puisse aller, on va dire, plus vite cette fois-ci sur son analyse, sur son analyse de risque, plus vite et en tout cas plus efficacement. D'acquérir aussi, parce que malheureusement on le voit à travers les exemples, d'acquérir le réflexe de mettre en sécurité à partir des organes qui sont cette fois-ci bien identifiés. Justement, la fiche repère, elle nous dit on a 2, 3, 4 organes pour se mettre en sécurité. Si on n'en a manipulé qu'un seul, on doit dire il y a un truc. La fiche, elle me dit quand même qu'il faut bien que j'en manipule 1, 2, voire 3. Quoi. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose d'autre à faire, donc acquérir ce réflexe, avoir un nouveau regard sur les organes d'isolement des énergies, effectivement, donc savoir les identifier plus facilement, parce que des fois, entre deux organes de coupure, lequel coupe quoi, c'est pas forcément évident et lequel il faut manipuler, et puis être attentif aux emplacements d'identification et maintenir en état, c'est effectivement l'ensemble de ces organes, et puis aussi finalement des identifiants. Alors, idéalement, tout ça, cette démarche-là, elle est lorsqu'on est sur des machines en service, mais c'est vrai qu'idéalement, tout ça, ça doit et ça peut se faire dès la conception d'une machine. On pourrait espérer, imaginer que tous les constructeurs de machines, tous les concepteurs d'installations mettent en place Securafim et identifient bien dès la vente, on va dire, de la machine, avant même qu'elle soit mise en service, que toutes ces énergies et tous ces organes d'isolement de ces énergies soient déjà identifiés. Merci. Oui. On vous propose un deuxième petit sondage, c'est l'avant-dernier, que vous trouverez dans l'onglet sondage pour justement voter sur, d'après vous, quelles sont les deux priorités d'action pour vous, dans votre contexte. Pour votre organisme. Donc, vous avez le choix entre identifier les bonnes méthodes, procédures et organisations, c'est-à-dire savoir comment s'y prendre, définir le projet qui est le plus pertinent pour vous, donc par quoi je commence par rapport à toutes ces facettes-là. Les problèmes techniques, notamment la capacité à consigner les équipements, on voit que des fois dans les installations, c'est pas simple, c'est pas forcément prévu pour. Pour l'électricité, souvent ça va, mais pour le reste, c'est compliqué. Les problématiques de comportement, les pratiques de managériales, des activités de maintenance ou, au sens large, de la sécurité, notamment dans le cadre d'intervention. On va vous laisser, comme la dernière fois, quelques secondes pour voter. Vous pouvez continuer à le faire quand on prend la main, bien sûr. Et on va attaquer la norme NFX 6400 qui a été écrite et qui a été publiée en décembre 2017, et qui s'implante gentiment un peu partout parce qu'elle donne de manière très opérationnelle, donc c'est une norme plutôt opérationnelle et
pas que dans les concepts. Elle donne de manière opérationnelle des outils et une manière de prendre le problème, ou en tout cas, tous les points sur lesquels il est important de travailler. J'ai une question sur les éléments de la fiche Ecurafilm qui est peu visible. Vous allez en avoir d'autres exemples un peu plus loin et de meilleures définitions. Vous avez globalement dans une fiche Ecurafilm une vision globale de l'équipement, les énergies, la liste des énergies en présence, résiduelles ou de puissance, et les organes de mise en sécurité correspondant aux énergies. Plus, bien sûr, un certain nombre de subtilités, du genre des points d'attention, attention à la baisse de température, etc. Voilà. Et puis, il y a une question sur la gestion des clés de consignation, etc. Jean-Christophe est en train de faire une belle réponse par écrit que vous pourrez consulter. Merci pour ces réponses au sondage. Vous pouvez continuer à répondre tant que ce n'est pas clos. On va attaquer maintenant la NFX 60-400. J'y ai contribué et au titre de la PAV avec des collègues de la PAV. Bien sûr, la FIM, c'est la FIM qui présidait la commission de travail. Il y avait des donneurs d'ordre, bien sûr, des industriels, des prestataires de maintenance. Ça a été croisé avec les tenants de la 18510 en électricité et de la directive machine pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Donc, c'est une norme qui est plutôt, comme je le disais, opérationnelle. Et on est en train de travailler à sa montée au niveau européen. J'ai le plaisir de m'occuper de ça et donc de la passer au niveau européen pour qu'elle ait plus de poids et qu'elle soit plus largement diffusée. Alors évidemment, elle aura une évolution, mais l'esprit devrait être le même. Donc, de quoi parle cette norme-là ? Elle permet de savoir comment on peut maîtriser les sources d'énergie avant une intervention, comment est-ce qu'on peut garantir l'absence de remise en œuvre de ces énergies, qui est une des causes majeures d'accidents dans ces cas-là, hein, bien évidemment. On peut en oublier, mais on peut en remettre. De clarifier et d'homogénéiser la terminologie. Alors, il y a beaucoup de confusion entre consignation, condamnation. C'est des mots qui se ressemblent. Tout le monde n'a pas toujours tout bien compris parce que la 18510 en électricité, sa qualité principale, c'est pas d'être simple et lisible. On a différents processus de mise en sécurité possibles qui ont été définis. Ça, c'est un point clé parce que la plupart du temps, les réponses de gens qui ne connaissent pas le métier, c'est de dire y a qu'à tout couper et tout enlever, comme ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en maintenance, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas forcément faisable, ce n'est pas forcément possible, ce n'est pas forcément réaliste dans l'environnement. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre dans les différents contextes d'intervention pour se mettre en sécurité. Donc, on a 4 modes de mise en sécurité avec des critères qui sont donnés dans la norme, comme guide évidemment, hein, pour choisir le bon et des principes clés. On va les aborder brièvement, bien sûr. Les problèmes de limites et de fausses croyances, on a des éléments de réponse concrets et des incontournables sur l'organisation et la gestion des compétences autour de ce sujet-là. Elle n'a pas du tout été faite depuis une page blanche. On s'est inspiré du retour d'expérience mondiale. Donc, on a bien sûr pris l'auto, qui, quand on revient au texte de référence, n'est pas très, très long. Mais on a aussi pris des normes intéressantes en Angleterre, en Australie, notamment sur les installations de process ou sur les équipements de travail. Donc, dans la NFX 6400, on aborde bien ces 3 volets incontournables, ces 3 leviers d'obtention de la sécurité qui sont humains, organisationnels et techniques. D'un point de vue humain, on va aborder le sujet des compétences. Évidemment, si votre mainteneur n'a pas les compétences sur comment est-ce qu'on se met en sécurité, bien sûr, il faut qu'il soit mainteneur, mais il a besoin de compétences sur comment on se met en sécurité, il a aussi besoin de compétences sur comment fonctionne l'équipement ou être capable de récupérer l'information. Ça nécessite de gérer les compétences et éventuellement d'envisager des systèmes d'habilitation ou au moins de qualification des personnes qu'on autorise à faire de l'analyse des risques qui peuvent les mettre en danger et mettre en danger les autres. On a des notions de pratique managériale parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il faut bien gérer le processus de mise en sécurité pour ces équipes de maintenance, mais aussi dans l'articulation avec la production et l'exploitation. On a des problématiques de comportement contre lesquelles il faut lutter, notamment sur la sous-estimation du risque, le fait de vouloir faire vite
ou le fait de ne pas considérer que la sécurité, par exemple, du mainteneur est son problème quand on est à la prod, ou de négliger les interfaces avec l'entreprise extérieure. Des sujets organisationnels sur quelle est la procédure de l'entreprise quant à ce sujet, qui est responsable de quoi, qui fait quoi, comment, c'est quoi les règles, je n'ai pas fini mon intervention le vendredi soir, il se passe quoi, je change d'équipe, il se passe quoi, je suis dans un chantier de revamping au milieu d'une unité qui continue à produire, il se passe quoi. En fait, on a plein de cas et on s'aperçoit que les organisations des entreprises et les compétences en place étant très différentes, on a rarement deux fois le même schéma et deux fois la même procédure à écrire. D'un point de vue méthode maintenance, qui s'occupe de ce sujet de mise en sécurité, de documentation des équipements quant aux énergies, aux organes de mise en consignation, de mettre au plan de maintenance les organes de mise en sécurité, de tenir à jour les plans, etc. Il y a bien sûr un lien avec le système de management de la sécurité, SMS. Et puis, d'un point de vue technique, qui s'occupe de la maintenabilité, de la fiabilité, de la consignabilité des équipements et comment on fait pour améliorer notre capacité technique à se mettre en sécurité. Donc, pourquoi on parle de maintenabilité? Parce qu'effectivement, s'il faut tout démonter, s'exposer à des dangers pour accéder à une pièce à réparer, ce n'est pas OK. Pourquoi on parle de fiabilité? C'est parce que la situation la plus dangereuse, c'est la mise en danger en urgence sur un dépannage. Donc, si l'équipement est fiable, on a moins de dépannage, donc on est moins en danger. Et la consignabilité, là, on parle tout simplement du fait de dire « Ah, zut, on n'avait pas prévu de pouvoir couper l'eau pressurisée pour juste ce morceau d'installation et cet équipement-là. » Donc, soit on arrête l'usine, soit va falloir faire avec. Donc là, c'est un peu compliqué aussi si on ne l'apporte pas techniquement. On s'aperçoit en termes de retour d'expérience que ces trois piliers sont requis, mais bien sûr, on ne peut pas tout mettre à la fois en même temps. Donc, on a des contextes où on va aborder d'abord l'organisation, puis après les problèmes formation ou technique, d'abord la formation, et puis après l'organisation, et enfin la technique. Enfin, globalement, on a tous ces contextes-là. Il est important de comprendre que les trois leviers sont activés, mais la priorité n'est pas forcément la même. Donc, c'est souvent intéressant de faire un petit diagnostic pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable, quelque part, de lancer de suite en fonction du contexte et des enjeux. Donc, un des points clés de la NFX 6400, c'est de dire qu'il y a besoin d'une analyse des risques systématique avant chaque intervention. On verra plus tard qu'on peut la faciliter, l'accélérer et la rendre très fluide et facile. Mais dans tous les cas, le problème se pose quand je suis devant un équipement. Si j'ai quatre tuyaux qui arrivent, il ne faut pas que je me trompe de tuyaux en fonction de ce qu'il y a dedans. Il faut que je sache s'il y a du gaz, de la vapeur, de l'eau froide, de la pression. Et que je sache comment je me mets en sécurité. Donc, on va avoir des niveaux, des processus de mise en sécurité qui ne sont pas de même niveau. Et on va avoir, par exemple, une isolation renforcée et une isolation simple. Donc, c'est des appellations qui sont utilisées dans certains secteurs industriels, mais pas tous, qui ont l'avantage d'être clairs. On comprend bien que renforcé, c'est plus fort que simple. En gros, renforcé, c'est l'énergie est coupée, séparée. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai de l'eau sous pression, non seulement elle n'arrive plus, mais en plus, si jamais il y a quelque chose qui lâche, elle ne m'arrivera pas non plus dessus. Et puis, l'isolation simple à condamnation, j'ai juste fermé la vanne, parce que si jamais elle lâche, ce n'est pas si dangereux que ça. Donc, cette analyse des risques systématiques, il faut la travailler aussi d'un point de vue humain pour mettre en place des réflexes et des comportements sécurité du type la tête avant les jambes ou stop, observation préalable, etc. Dans la norme, vous avez ce schéma Kaker qui donne les différents processus de mise en sécurité. Donc, on prend la nature de l'intervention en entrée et on analyse des risques systématiques. Si je dois intervenir, donc je suis sur la partie gauche, j'aurai le choix entre isolation renforcée ou simple en fonction de l'énergie. Et donc, je fais le panorama dans mon analyse des risques de toutes les énergies en présence, dans la machine, les produits, mais aussi les énergies que j'apporte. Si je viens avec un chalumeau, ce n'est pas pareil qu'avec une clé à molette. Une clé à molette non ATEX dans une zone ATEX, ce n'est pas pareil qu'une clé à molette dans une zone ATEX. Donc, j'ai besoin de prendre en compte tout le contexte pour ne pas faire d'erreur dans mes choix de mise en sécurité. Si jamais, par exemple, techniquement ou opérationnellement, c'est quasiment impossible de faire une isolation renforcée alors que je le souhaiterais, je vais définir des mesures compensatoires qui vont réduire l'impact des conséquences d'un accident. Si je n'ai pas d'intervention, donc par exemple sur les phases de diagnostic, de réglage, d'essai, qui existent en maintenance par définition, où forcément on va être devant la machine qui va être ouverte avec des énergies en présence, vu qu'on veut diagnostiquer ou faire des essais. On ne peut pas dire qu'on coupe tout.
Donc, dans ces cas-là, on va avoir des processus de neutralisation par la commande, avant éventuellement des mesures compensatoires et des mesures techniques et organisationnelles qui sont prédéterminées dans la norme et qu'on peut enrichir, ou des dispositions spécifiques en présence d'énergie, là aussi avec des mesures compensatoires dont on donne une liste d'exemples très opérationnels à l'intérieur de cette norme. Et sur les trois cas de gauche, on va avoir des démarches de cadenassage qui sont la garantie physique qu'on ne remettra pas en œuvre des énergies dangereuses et que le niveau de sécurité qu'on a obtenu à travers l'isolation et les mesures compensatoires ne sera pas baissé par une erreur et une remise en énergie. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce schéma-là qui est explicité, bien sûr. Vous trouverez également des annexes très techniques, quelque part, dans la norme, notamment pour déterminer quel est le bon niveau d'opération technique à réaliser pour se mettre en sécurité en fonction des réseaux et des tuyauteries. Dans cet exemple-là, on a deux, trois exemples techniques de ce type-là. C'est souvent des problèmes qui ne sont pas très simples et en fonction des catégories qui sont décrites dans l'annexe, on va pouvoir déterminer d'un point de vue pratique quel est le meilleur niveau d'isolation qui est recommandé. Là, c'est les autres exemples que j'évoquais dans le chat là, sur le fait qu'on ait des fiches énergie dans la démarche Securafim, où on va avoir un synoptique ou un schéma général de l'installation avec des photos ou des dessins des organes pour ne pas se tromper d'endroit, le numéro avec le macaron, et puis vous avez dans cette zone de tableau qui est dans la partie basse, pour chaque organe, le type de manœuvre, hein, ne serait-ce que pour ne pas se tromper de sens dans la vanne, des remarques, des alertes, vous avez des petits warnings là qui mettent des points d'attention sur la mise en sécurité. Donc, pour être capable de rédiger ces fiches-là, il faut avoir une compréhension fine du fonctionnement, de la technique et de la fiabilité, de la sécurisation qu'on peut obtenir avec les organes qui sont dans la machine aujourd'hui. Typiquement, on fait souvent des diagnostics de ça, de consignabilité, donc c'est un néologisme, hein, on s'en excuse, qui permet de faire ces fiches-là et de montrer les limites de la mise en sécurité possible aujourd'hui pour faire des préconisations techniques du type rajouter une vanne à tel endroit ou changer le type de vanne papillon à vanne sphérique parce que la fiabilité n'est pas suffisante vu l'énergie. Donc, ce bon niveau de mise en sécurité, il faut le déterminer avec une analyse. La plupart du temps, quand on travaille là-dessus, pour de vrai, on travaille sur le processus d'intervention de maintenance. Et souvent, il y a des demandes d'intervention ou des bons de travaux en maintenance sur lesquels on ajoute une petite cartouche avec une checklist des énergies et des dangers au sens large possible. Parce qu'au bout du bout, ce qu'on veut, c'est que l'intervenant de maintenance et son entourage travaillent en sécurité. Donc, on va s'intéresser aux énergies, qui est l'annexe 6400, et on va l'enrichir de sujets du type travail isolé, travail en hauteur, etc. Parce qu'il faut penser à tout. On va pas, même si la FX 6400 se concentre sur ce sujet-là qui est compliqué, le processus d'intervention de maintenance, lui, travaille sur l'ensemble. Dès le prédiagnostic, il faut se poser des questions parce que la phase de diagnostic en tant que telle peut déjà être dangereuse. Un autre point qui est important et qui est à comprendre, c'est qu'on parle d'intervention de maintenance. L'intervention de maintenance, ce n'est pas uniquement l'intervention du service maintenance, c'est l'intervention au sens processus maintenance. Le N17007, qui a été traduite en français, bien sûr, c'est une norme qui décrit des processus de maintenance. Vous allez avoir le curatif, le préventif et puis les travaux amélioratifs. Donc, ces trois types d'interventions peuvent être réalisés par des équipes de maintenance, mais également par des équipes de production, typiquement de la maintenance de niveau 1, du réglage, du nettoyage, du changement de format, du débourrage. C'est des tâches qui sont plus récurrentes, mais qui restent des tâches où on met les mains dans la machine et qui ne sont pas forcément des tâches d'exploitation aussi documentées que ça dans le cahier machine. Donc là, il y a souvent une zone grise, une zone de recouvrement. Ça fait partie des points qu'il faut travailler pour bien faire le tri et de dire quand est-ce qu'on fonctionne avec un principe Securafim, quand est-ce qu'on fonctionne avec un principe du type DURP et mode opératoire, gestion des compétences des intervenants, etc. Cette grille, elle est un peu piégeuse. Donc, il faut analyser les tâches. Dans l'exemple que vous avez à droite, vous avez typiquement le résultat d'une analyse des tâches fines, donc comme un DU très fin au poste de travail. Et en fonction de la tâche, on a dit, non, ça, c'est plutôt vraiment technique maintenance, donc on va le gérer avec des cadenas, etc., à la mode maintenance. Non, ça, c'est une opération récurrente.
on va faire des fiches réflexes, on va faire un mode opératoire standard, on va s'assurer que les gens le comprennent, l'appliquent, mais du coup, on ne va pas être en mode, quelque part, sécurifié, mais on aura traité en mode exploitation de manière sécurisée, comme on sait le faire par ailleurs. Le point suivant, c'est un autre retour d'expérience sur le fait de... On a parlé de cette fiche, etc. Ça peut être un document, mais ça peut être carrément un panneau. Donc là, c'est un exemple de panneau où on a le synoptique, l'équipement, les organes de mise en sécurité, les clés, les cadenas et les clés qu'on va mettre sur les organes directement, ce qui fait que si on ne voit pas le cadenas, c'est qu'il a été utilisé pour quelque chose. Ça fait déjà un indice intéressant. Et vous avez à gauche un tableau qui prémâche pour les opérations récurrentes quelles sont les mises en sécurité qu'on va faire. Donc, typiquement, dans cette ligne-là, on sait qu'on va avoir le cadenas 1, 2, 3 et 5 qu'il va falloir utiliser pour se mettre en sécurité. Et l'opérateur qui fait des tâches récurrentes de ce type-là n'a plus de questions à se poser. Dans un contexte normal, il n'a plus qu'à appliquer la procédure et on verra en plus ce qu'il est en train de le faire sur le tableau. Donc, il y a des moyens d'accélérer et de fiabiliser cette analyse de risque et cette mise en sécurité. Donc, la neutralisation, c'est quoi? C'est l'utiliser typiquement un arrêt d'urgence pour arrêter la cinématique. Donc, bien sûr, la cinématique, comme l'a dit Jean-Christophe, elle ne coupe aucune énergie. Donc, c'est vraiment que dans certains cas, que c'est OK d'utiliser cette neutralisation. Donc, dans la norme, on détermine des critères et des prérequis. Déjà, que la machine soit conforme, parce que si elle n'est pas conforme, l'arrêt d'urgence, ce n'est pas forcément un arrêt d'urgence qui n'arrête pas tout ce qu'il faut. Est-ce que s'il y a eu des modifications de la machine, on a bien géré les choses et on n'a pas détourné son fonctionnement et du coup, l'arrêt d'urgence ne fait pas ce qu'il devrait? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y a pas de réarmement? Est-ce qu'on peut s'assurer de la coactivité, etc., etc. On a énormément de cas d'accidents liés à cet utilisage abusif des arrêts d'urgence, parce qu'une de ces conditions n'était pas remplie et de manière générale, on n'avait pas respecté des basiques qui empêchaient ne serait-ce que le réarmement. Il est intéressant de faire des recensements de tous ces coups de poing pour savoir exactement ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils couvrent, qu'est-ce qu'ils ne couvrent pas. Le cadenassage, on détermine des cadenassages à trois niveaux dans la norme qui permet de garantir que les organes sont bien condamnés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rouvrir la vanne, que quelqu'un qui est le cadenas vert va bien gérer toute la mise en sécurité de l'intervention du début à la fin et ne remettra en énergie qu'une fois qu'il sera sûr que tout est fini. Et les intervenants qui ont un cadenas jaune, chacun a son cadenas, donc chacun ferme la boîte à clé, ce qui fait que si jamais j'ai trois intervenants, tant que les trois cadenas jaunes n'ont pas été enlevés, c'est qu'il y a quelqu'un sur place qui est en danger si on remet les énergies. Donc, celui qui a le cadenas vert doit gérer qu'effectivement, il a bien fini et qu'il n'est plus là pour qu'il enlève son cadenas et qu'on puisse remettre en service. Donc, cette mécanique de cadenas, elle peut paraître compliquée, si je vous fais ce schéma-là, mais globalement, un cadenas jaune, c'est une vie. On a un responsable qui peut être un de ces intervenants-là, bien sûr, qui est en charge de la sécurité de l'intervention. Et notre retour d'expérience, c'est qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. La photo de droite, c'était 3 mois après avoir démarré la démarche chez un industriel qui n'avait rien du tout de ce point de vue-là. Il y avait 0 cadenas nulle part. Et on est arrivé avec nos cadenas, 2-3 couleurs, plus les entreprises extérieures qui avaient encore une 4e couleur. Et très, très facilement, ça s'est mis en place parce qu'en fait, techniquement parlant, la logique et l'emboîtage se comprend bien et on fait que matérialiser physiquement la mise en sécurité et les responsabilités, par exemple le cadenas vert, c'est la sécurité de l'intervention et donc c'est lui qui gère, qui s'assure la prétention est faite, que l'intervention est finie, etc., etc. C'est à gérer à travers un système documentaire sur lequel je vais passer où on a l'explication de comment est-ce qu'on doit poser le cadenas éventuellement, une gestion des tableaux de cadenas s'il y a des absences ou des changements d'équipe. Là aussi, c'est évoqué dans l'NFIS 6400 et c'est des points sur lesquels ça vaut le coup de zoomer. On a quasiment fini cette présentation. On va parler du retour d'expérience des démarches globales. Ce qu'on veut au bout du bout, c'est que les pratiques
de tous les acteurs sur le terrain échanger après la mise en place de la démarche. Donc, l'accompagnement au changement, c'est un point important. Et nous, on recommande d'avoir un vrai mode projet avec un pilotage, avec un plan de communication, des campagnes d'affichage, etc. Là, c'est un exemple d'affiche qu'on a fait. Souvent, on donne une identité au projet. On fait un plan de com, on fait des boucles de retour d'expérience pour s'assurer que tout le monde est embarqué et tout le monde change effectivement de comportement, comprenant bien les tenants, les aboutissants, les enjeux, les objectifs de la démarche. Notre approche importante, c'est que on s'aperçoit que, et il ne faut pas se cacher, la maintenance, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et quand on est une entreprise, on a un budget X et on doit faire plein de choses avec. La sécurité en fait partie, comme d'autres. Donc, on sait très bien que si on commence à mettre en place une organisation avec des gens qui vont s'arrêter avant toutes les interventions, qui vont réfléchir, qui vont éventuellement tracer ça dans des documents, qui vont mettre des cadenas, qui vont attendre que ça refroidisse, bah, ça va prendre plus de temps pour l'intervention. Donc, quand on met en place l'organisation, la gestion des compétences, etc., qui est vraiment un des prérequis importants, on va perdre en performance et on va gagner en sécurité. Si on ajoute à cette partie organisationnelle la démarche du type technique Sécurafin qui part du terrain sur le management visuel technique de la sécurité, où on a pour chaque équipement une fiche, énergie, des macarons sur les bons organes, éventuellement un tableau de management visuel avec les cadenas dessus, eh ben on comprend bien que par rapport à la situation où j'arrive sur une machine, j'ai rien, ou j'arrive sur une machine, j'ai un tableau avec le synoptique, les énergies en présence, les organes, le cadenas dessus et le macaron, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite pour faire mon analyse des risques, m'assurer que tout va bien et me mettre en sécurité. Donc du coup, le temps qu'on avait, entre guillemets, qu'on investissait pour de la sécurité, pour l'analyse des risques, on le récupère et on continue à garder en gagnant en sécurité parce qu'on a encore plus fiabilisé l'analyse des risques. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que si on continue la logique et qu'on fait un plan d'action amélioratif sur les installations pour améliorer leur maintenabilité, leur consignabilité, qu'on améliore leur fiabilité, on va réduire le nombre d'occurrences d'intervention, on va réduire le nombre de cas où on expose à des dangers, on va faciliter la mise en sécurité et on va diminuer le nombre de manœuvres à faire pour se mettre en sécurité, et on va continuer à gagner en sécurité et on va gagner en performance. Donc si on se projette sur du moyen terme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va gagner en sécurité et en performance si on s'y prend correctement. Et c'est vraiment ce qu'on prône, c'est-à-dire qu'on prône une démarche où, au bout du bout, l'entreprise, elle va s'y retrouver, y compris en argent, elle va gagner de l'argent en plus de gagner la sécurité. C'est beaucoup plus facile de dégager des budgets pour mettre en place des démarches si on sait qu'au bout, on va gagner de l'argent et on aura un retour sur investissement pur et dur, même en oubliant la sécurité. On a fait des mesures des temps investi pour se mettre en sécurité dans des contextes, donc c'est là où il y avait la boîte à clé, où il n'y avait rien, hein, justement. Et on avait sur deux sites agroalimentaires pendant un mois mesuré l'impact en termes de temps investi et de gains en sécurité de cette mise en place. Et on s'est aperçu que en mettant l'année fixe 6400, donc on est dans la première case à gauche, on a en moyenne 7 minutes de plus par intervention, ce qui faisait un TRS qui baissait de un peu moins d'1%. Avec une mise en sécurité qui progressait de 2/3, c'est-à-dire qu'on passait de rien à isolation simple en moyenne. Donc, c'était très intéressant et on s'est aperçu que les sites qui avaient une maturité en termes de méthode de maintenance et de management de la maintenance qui était bonne, et c'est pour ça que souvent dans nos interventions, on aborde aussi cette dimension-là, ben, l'impact a été plus faible parce qu'il y avait beaucoup moins de dépannage, donc beaucoup moins d'interventions qu'on ne pouvait pas préparer à l'avance. Et donc, le temps de préparation n'était pas effacé dans la perte de performance. Ceci est un schéma typique d'accompagnement. On ne va pas le détailler, mais globalement, on préconise d'avoir un petit diagnostic en amont qui permet de cibler les priorités. On l'a vu, c'est important de savoir faire le tri entre est-ce que je commence plutôt par de la technique, de l'organisation, de la formation, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et la plupart du temps, on a travaillé sur la procédure, sur l'organisation, des formations des équipes à ce nouveau mode de fonctionnement et pas simplement aux notions globales, et des actions techniques de type Sécurafim pour faciliter, accélérer, fiabiliser les mises en sécurité et du coup se retrouver au bout du bout sans perte de performance avec le gain en sécurité. On active donc les trois leviers dans nos démarches.
Securafim, c'est une démarche globale. Pour les petites structures, on a aussi cette notion de mallette où on a des modèles de documents, un guide de mise en œuvre, des macarons, un peu préformatés. Ils sont très adaptés pour des structures simples qui n'ont pas les moyens, le temps et des problématiques spécifiques qui mériteraient d'investir énormément. Donc, vous pouvez vous procurer la mallette auprès de la FIM directement ou vous pouvez acheter une formation action qui vous explique les principes de la démarche, vous fournit une mallette et met en place chez vous en travaux pratiques cette mallette-là pour que vous ayez directement la première machine chez vous mise en place. Alors juste Jean-Pierre, hein, c'est pas une mallette de magicien, hein, effectivement. Hein, il faut avoir une volonté, un accompagnement derrière. C'est pas juste parce qu'on a la mallette sous le bras qu'on va tout réussir à faire. Tout à fait. Alors, je regarde un petit peu les questions. On va vous soumettre un dernier sondage si vous êtes d'accord avec qui vont vous demander. Et puis on va prendre les questions. On a respecté les 1 heure. mais sans trop de questions, donc on va déborder. Moi, je peux avoir un peu de temps pour déborder, bien sûr, et répondre aux questions. Et déjà, je remercie ceux qui n'ont plus de temps pour le temps qu'ils ont passé avec nous. Et je leur dis à bientôt. Si vous avez besoin de renseignements, vous avez les 2 questions qui sont apparues dans le sondage. Et merci d'y répondre. J'ai des questions qui apparaissent. Comment est-ce que une question sur les clés de consignation, comment la garder en sécurité sur la durée et les règles de transmission, ça fait partie des choses qu'il faut déterminer dans la procédure adaptée à votre entreprise, parce que l'organisation étant différente à chaque fois, je n'ai pas de règle absolue. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se méfier des notions de clé unique, cadenas multiples. C'est bien pour certaines couleurs de cadenas, ce n'est pas bien pour d'autres. D'une manière générale, les cadenas de consignation, et là je vais parler facteur humain, on considère que ça doit devenir un tabou. C'est-à-dire que la plupart du temps, on définit une procédure de coupe-boulon pour exécuter un cadenas, et cette procédure de coupe-boulon, elle doit remonter au directeur de site. Que ce soit l'exception et que ce soit l'arme nucléaire, et si les gens oublient les cadenas, il faut qu'ils aient des sanctions et des rappels à la règle, parce que ça doit devenir un tabou de toucher un cadenas. On a trop d'endroits où c'est banalisé, tout le monde a la clé, tout le monde a le pass et ça ne sert plus à rien. Donc ça c'est pas OK. Et effectivement, il faut des règles pour gérer tout ça, donc c'est important. Il y a une réponse de Jean-Christophe là-dessus, je regarde les autres questions. Oui, voilà, il y a des questions sur lesquelles on a déjà répondu dans le détail. Oui, il y avait une question très pertinente sur les opérations avec présence nécessaire d'énergie. Je crois que ça mériterait un webinaire complet, un e-workshop complet. Mais effectivement, c'est des grandes questions. Le principe, c'est ce que j'ai dit rapidement, quoi, hein, c'est de ne pas consigner toute la machine, mais bien regarder quelles sont les énergies dangereuses et regarder comment s'en protéger. De toute façon, on interdit l'intervention s'il y a risque, hein, quand même. C'est le principe. Alors, j'ai une question sur est-ce qu'il est obligatoire dans la NFX 6400 que les intervenants posent un cadenas ? Parce que la 18510, ce n'est pas le cas. Alors, déjà, il faut bien comprendre la 18510, c'est une norme à portée réglementaire et obligatoire. C'est-à-dire que c'est une norme qui est devenue obligatoire par la réglementation, quoi. La 6400, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas du tout la prendre en compte et faire comme vous voulez sur le sujet. Vous êtes juste soumis à l'obligation de résultat en termes d'accident, c'est tout. Donc, c'est un guide, une aide pour vous aider à réfléchir. Nous, on préconise la pose de cadenas. Mais la plupart du temps, dans les procédures qu'on écrit, on donne des exceptions qui fluidifient les choses. Par exemple, je suis tout seul, intervenant. J'ai qu'une énergie en présence. Bah, la plupart du temps, on dit bah, on ne va pas utiliser 50 cadenas. Vous prenez votre cadenas jaune, vous le mettez sur l'organe de mise en sécurité, vous y allez. Parce que du coup, ça devient fluide. Mais oui, on préconise la pose systématique de cadenas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne met pas le cadenas, n'importe qui peut remettre l'énergie. Si on met le cadenas, c'est bien parce que l'énergie est dangereuse. Si elle n'était pas dangereuse, on ne ferait rien.
Donc, si on met un cadenas pour justement verrouiller le fait que l'énergie ne revienne pas. Et d'ailleurs, on a des clients qu'on accompagne qui ont des difficultés parce qu'ils partent d'autre loin. Les documents, les machins, les trucs, la procédure, c'est trop compliqué. Ce que je leur dis, s'il n'y a qu'un truc à mettre, c'est des cadenas. Parce qu'en fait, c'est ce qui va pour de vrai empêcher physiquement les choses de se passer. Mettez des macarons d'intervenants, mettez des cadenas, mettez éventuellement les fiches, essayez de mettre les fiches loto, les repères d'organes mis en sécurité. Déjà, vous êtes dans le dur, vous éviterez des vrais problèmes. Un document, ça n'empêche personne de se faire électriser. Hein. Ce qui empêche la personne de se faire électriser, au bout du bout, c'est qu'en fait, on n'a pas renclenché le sectionneur. Donc, moi, ma position, elle est relativement simple là-dessus. Si on doit faire un choix, on fait d'abord le dur, le cadenas. Par contre, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile de mettre en place des évolutions d'organisation, parce que ça prend quelques mois, que de déployer la cartographie des énergies, des organes de mise en sécurité, des macarons, sur plein de machines. On a des clients qui nous ont demandé ça, et ils nous ont demandé de l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, on a traité leurs deux sites et leurs 400 machines en 2 mois, parce que c'est un gros boulot, et il faut y aller en mode commando. Et avec des gens habitués, ça va vite. Mais si vous le faites en interne, il faut le faire par priorité, sur le long terme, c'est un marathon, quoi. Par contre, c'est super intéressant, parce que ça va vous fiabiliser la mise en sécurité, et ça va éviter de perdre de la performance sur la mise en sécurité. Merci à tous. Je vois qu'on a eu quelques réponses à nos questions. On attend encore quelques secondes pour voir s'il y a des questions complémentaires. En tout cas, merci d'avoir patienté. Désolé pour les 5 minutes de débordement. Ah, une petite question qui arrive. Non, c'est la réponse. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Jean-Pierre.